Hey, matelot ici d'Effroyé. Aujourd'hui, on se retrouve pour la construction en tutoriel de cette maison moderne sur Minecraft. Et cette fois-ci, il s'agit d'une reproduction d'une maison qui existe réellement, voilà, donc vous avez pu la voir sur la vignette de la vidéo d'ailleurs. Et voilà, je vous fais un petit tour de la maison. Et l'intérieur est en partie fait quand même, mais c'est assez sympa au niveau de l'intérieur aussi, vous voyez. Hop, je vais vous montrer. Il y a donc toute une plateforme comme ça qui nous permet tiens, il y a des choses qui ont été oubliées ici. Toute une plateforme ici qui permet d'avoir une entrée. Il y a en gros toute une ouverture à ce niveau-là dans la maison qui permet d'avoir une cage d'escalier complètement ouverte. Et du coup tout un espace à ce niveau-là pour pouvoir avoir un étage tout bêtement. À la limite, je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas... qu'il n'y a rien pour aller de l'autre côté ici. Donc je vais pouvoir vous améliorer la maison en même temps que vous la regardez. Alors est-ce que... Non, ok. Donc je vais pouvoir faire... Voilà, une amélioration en même temps si j'arrive à cliquer au bon endroit. Youp. Voilà, donc comme ça, ça nous fait une petite passerelle pour aller de l'autre côté de la maison. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la maison où il n'y a rien du tout, si ce n'est une cage d'escalier énorme et un pont pour aller de l'autre partie de la maison. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je dois bien avouer. Et donc voilà, c'est une maison intrigante en tout cas. Voilà, on arrive ici et on ressort là. Magnifique, impeccable. On se retrouve tout de suite du coup sur la map pour pouvoir commencer cette maison. Et voilà, alors du coup, on va commencer cette maison là avec ces patterns là. Donc vous voyez qu'elle a un petit peu dépouillé avec par rapport à avant. L'idée c'est que du coup, je vais vous donner les dimensions. On va commencer par poser ce bloc là qui est à 5 blocs de hauteur. Donc par rapport au sol, hein, on a 1, 2, 3, 4 et au cinquième bloc, on peut poser notre bloc ici. Ok. On va commencer à faire une ligne comme ça en béton blanc sur la longueur à ce niveau là et on en fait 16 jusque ici. Donc entre ça et ça là-bas il y a 16 blocs, ok. Hop. Et donc on monte après sur je ne sais plus combien de blocs de hauteur, on monte sur 8 blocs de hauteur, donc entre ici et là-bas il y a 8 blocs. Sauf que dans la hauteur on va mettre 2 blocs comme ça sur toute la longueur, ok. Sur toute la hauteur il y a 2 blocs de large. Hop, une fois qu'on est en haut ici, entre ce bloc là et le bloc là-bas tout au bout, il y a 22 blocs en longueur. Ok. Sauf que du coup, on va le faire sur 3 blocs de large, et ce sur toute la longueur. Ok. Entre ici du coup, et ici, il y a 8 blocs, comme l'autre côté, pour revenir sur le même niveau qu'on avait mis au départ. Et donc... on va le faire lui aussi sur 3 blocs de large pour obtenir cette forme là globale au final. Ok. Donc on va prolonger, c'est ça l'idée, cette forme là qu'on vient de faire, on va faire exactement la même et on va la prolonger du coup sur 20 blocs de longueur. Ok. Donc de là jusque là-bas il y a 20 blocs et cette forme là on va la prolonger sur toute cette longueur là du coup. Et voilà. Hein. Alors on va... on va se remettre en face à la machin. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter des blocs ici là sur la bordure, ok, à l'intérieur aussi et de l'autre côté, hop, ok. Et là du coup on a tout notre espace à l'intérieur de la maison qui est délimité. Ça sera plutôt pas mal. On va délimiter autre chose aussi, on va délimiter un espèce de gros mur très très massif sur le côté ici de la maison. Donc on va reprendre ce bloc là par exemple, hein, on est au niveau du sol là ici. Et on va compter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs d'écart. Et après on va commencer notre grand mur ici. Donc le grand mur je l'ai fait avec de la pierre taillée craquelée. Donc sur mon pack de textures, c'est ça que ça donne comme texture. Hein. Et donc on va le faire sur 3 blocs de large, encore une fois, et sur 12 blocs de hauteur.
Ok. Donc 3 blocs de large sur 12 blocs de haut, donc sur la même hauteur que la maison à côté. Et pareil, ce grand mur là, du coup, on va le prolonger sur les 20 blocs de longueur de la maison, lui aussi. Et donc une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est qu'on va venir avec nos blocs de béton blanc et on va remettre une couche du coup en dessous de cette partie là, ou plutôt de celle là en fait. C'est à dire qu'on va compter 1, 2 blocs ici, à partir du troisième on va mettre 2 blocs comme ça, on va les faire descendre jusqu'au sol, ok. On va venir comme ça ici sur le côté et on va les faire arriver jusque là du coup, c'est à dire de 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs en plus ici sur le côté. Hop, de 2 blocs de haut. Et on va venir prolonger ces deux blocs là en fait sur voilà, sur 4 blocs de longueur en tout, on va dire. Pour commencer, on verra bien. Hop, ici comme ça. De l'autre côté, on fera pareil, sûrement. Ok, qu'est-ce que j'oublie? Oui, alors du coup, pour pouvoir soutenir cette partie-là du bâtiment, nous, on va venir compter ici 1, 2 blocs, et on va venir mettre de la pierre craquelée à ce niveau-là, sur 3 blocs de large, du coup, sur 3 blocs de long, et on va venir faire un gros pilier ici, qui va soutenir la maison. Hop, comme ça. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose de plutôt bien. On va venir de l'autre côté de la maison à ce niveau-là. On va s'aligner avec l'autre partie ici. C'est-à-dire qu'on va laisser 2 blocs de marge à ce niveau-là. Et on va partir du troisième bloc compté ici. On va décaler de 1 bloc sur le côté. Et on va venir descendre jusqu'au sol. Comme ça. Ok. On va aller comme ça. Hop. À l'arrière et on va prolonger ce mur là tout jusqu'à l'autre côté de la maison en laissant un bloc de marge et en prolongeant sur le côté, hop, comme ça. Et donc tout le mur qu'il y a ici, on va le combler et le faire descendre jusqu'à par terre, hop. Hop, ok. Alors, une fois qu'on a ça, eh bien on commence à voir que la maison commence à se poser quelque peu. On va aller de l'autre côté et on va refaire la même chose que ça, mais à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on va laisser juste un bloc de marge ici, et on va descendre ça au niveau du sol. On va venir le mettre sur le côté ici, même chose au-dessus comme ça. Voilà, et je suis bloqué par l'arrière. Donc du coup, on a un truc comme ça, c'est plutôt bien. Ce qu'on va rajouter maintenant... Ah oui, alors du coup, voilà, c'est ça que je trouve bizarre aussi, c'est qu'il va falloir avoir un pilier à ce niveau-là, ici aussi. Donc les 3 blocs qu'il y a derrière, ici, on va faire un pilier avec. Hop. Voilà. Voilà, donc comme ça, on a notre maison qui est avec ses piliers, elle tient, et ça, c'est plutôt cool. Elle tient toute seule ou presque. On va pouvoir rajouter les autres choses du coup maintenant. Et on va faire en fait le garage hein, qui va être à ce niveau là. Donc ce qu'on va prendre c'est des planches de sapin. Ok. Et on va venir mettre tout le garage à ce niveau là. On va le faire donc à 10 blocs de profondeur dans la maison. C'est à dire qu'on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et à côté du coup de ce 10e bloc, on va mettre un grand mur avec des planches de sapin comme ça tout jusqu'au plafond, hop, ok, voilà. On va mettre le mur ici aussi, hop, ok. Et vous voyez que ici on a un grand espace, et ben ça va servir pour le garage. Alors, on va faire quand même une ouverture ici pour pouvoir rentrer dans le garage et une petite fenêtre à ce niveau-là, ça va pas faire de mal. On va rajouter du coup bah, des vitres dans la fenêtre. Hop. Et on va changer le sol peut-être avant de mettre le garage en place. Donc, le sol, lui, on va le changer, on va le mettre en dalle de pierre. Ici, comme ça. Hein. Donc, les dalles de pierre, on va venir compter environ 3 blocs ou 2 ou 3 blocs par devant notre mur ici, tu vois. 1, 2 blocs, 3 blocs. Et on va venir
Alors quoique ici on peut aller jusqu'à notre trottoir en fait à côté de la route. Hop. Donc entre ce bloc là vous voyez tout ici comme ça jusque ici et jusque l'autre côté de la maison par là là. Hop. Si j'arrive à cliquer où il faut. Ici là. Donc tout la zone que j'ai encadrée, là vous voyez, entre toute la ligne là-bas et ici là, toute la zone du coup d'herbe sous la maison, on va la mettre et la transformer avec des dalles de pierre lisse comme ça. On va changer tout le sol comme ça. Et voilà un peu le travail. Alors le seul truc qu'on va garder en herbe quand même, c'est cette partie là, vous voyez, donc entre notre bloc ici, notre gros pilier, on va mettre toute une partie en herbe ici qu'on va garder. Et on va la border d'ailleurs par des planches de sapin. Hop, ici comme ça. Ok, l'autre côté, pas besoin. Donc du coup, ici on mettra du verre et tout ça. Donc ça va être une sorte de petit jardin à l'intérieur de la maison finalement. Du coup, on va mettre vraiment le plancher pour cette partie-là de la maison du coup. On va utiliser des dalles de pierre taillées. Ici comme ça, et l'idée c'est qu'on va venir mettre une dalle de pierre taillée tout en dessous ici. On va mettre une grande ligne comme ça à ce niveau là, jusqu'ici, et on va la faire traverser, hop, tout jusque de l'autre côté de la maison, ici comme ça, ok. On va venir faire prolonger cette ligne de pierre ici comme ça sur toute la longueur jusqu'à quasiment l'autre côté de la maison, hein. Du coup on va faire... ouais, jusqu'ici là, hop, hop, ok, voilà, comme ça, hein. Et donc toute cette partie là, là de la maison jusque ici, ouais, donc toute cette surface là, on va la complètement la boucher et la mettre en dalle de pierre taillée, hop, voilà, donc ici comme ça par devant. Hop, comme ça, et voilà ce que ça donne. Alors on va mettre une, comment on appelle ça, un toit au dessus de cette partie là de la maison, hein. L'idée c'est qu'on va venir ici, on va compter 1, 2, 3, 4 blocs et on va mettre un bloc au dessus, donc à deux blocs de différence par rapport au bas, hein. Vous voyez, on compte 1, 2, 3 blocs et on met le début du toit au dessus comme ça, à 4 blocs au dessus. Et ce sur bah, toute la longueur jusqu'à laisser deux blocs aussi de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, paf. On se met ici comme ça. Et toute cette partie là, on va pareil aussi mettre tout en dalle, hein, en dalle de quartz cette fois-ci. Hop. Hop, voilà. Alors, on va continuer notre maison, donc il y a beaucoup encore de détails à rajouter, mais bon, comme c'est des détails, c'est important. Alors, on va reprendre nos vitres blanches, ou plutôt prendre nos vitres blanches, parce qu'on ne les avait pas pris avant, et les mettre ici, là, vous voyez, sur la longueur. Youp, l'autre côté, pareil. On va prendre nos vitres classiques, et on va les mettre ici, comme ça. Tu vois. Voilà, incroyable, paf, pouf, pif. On va laisser quand même de la place pour pouvoir entrer dans le balcon. Hop, boing, boing. Et on va venir de l'autre côté ici, mettre une vitre à ce niveau-là. Hop, si tant est que j'arrive à cliquer où il faut. Voilà. Alors ici vous voyez, vous remarquez qu'il n'y a pas de possibilité de venir dans cette partie là de la maison, on est bloqué pour l'instant. C'est ce qu'on avait remarqué au début de la vidéo d'ailleurs. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place déjà un escalier pour pouvoir monter. Donc ici là, toute cette partie là, on va aussi la combler. Il y a beaucoup de combles, hein. Il y a énormément d'espace perdu dans cette maison, mais c'est absolument pas grave, on est luxe. Donc on s'en fout. Alors... on va utiliser les dalles en pierre, pas du tout, on va utiliser les dalles de quartz parce que c'est plus classe. Ici comme ça, paf, 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 voilà.
Hop. Et on va venir. Hop, ici comme ça. Faire une ouverture pour entrer sur le sur l'étage. Ici du coup, vous l'aurez compris, de l'autre côté, on va faire une passerelle pour pouvoir passer à ce niveau-là. Ouais. On va faire un truc comme ça et on va venir prolonger notre. Pourquoi est-ce que c'est pas au même niveau, Saint-Yann ? Ok, donc vous voyez, hein, on reprend ici, hop, ce qu'on avait fait au début de l'épisode, notre petite passerelle, comme ça pour aller d'un côté à l'autre de la maison, voilà, comme ça, ça fait joli, ça fait mignon, ça fait moderne, hein, pour le coup, littéralement, hop, impeccable. Alors du coup, on va rajouter quand même nos murs au niveau de l'étage à ce niveau-là, parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu un truc un peu vide. On va venir sur ce côté-là, laisser 1, 2. Au troisième bloc, on va mettre un bloc ici comme ça, le remettre tout jusqu'au bout en laissant deux blocs ici et deux marges. On va venir ici comme ça, rajouter une petite encoche. Et les deux blocs ici, ça sera une ouverture pour laisser une porte. On va mettre ces blocs à 3 blocs de hauteur, c'est-à-dire un bloc avant le plafond. Et on va utiliser, on va faire en fait des fenêtres qui vont être au-dessus du mur en fait. Ici là, tout au-dessus du mur, on va y avoir une fenêtre. Et ici aussi. Donc on va mettre des vitres ici comme ça, vous voyez. Ça c'est assez stylé. On peut mettre peut-être ici comme ça aussi. Ça c'est stylé ça. Ça j'aime bien, ça fait moderne et tout. Quitte à utiliser les vitres, on va aussi les utiliser hop, entre ce bloc là, tu vois, et le bloc en dessous ici. Tu vois, comme par hasard, et là ça prouve que c'est bien fait, que je fais pas porte nawak, c'est que vous avez la limite de l'herbe ici qu'on avait mis tout à l'heure avec les planches de sapin, la limite de l'escalier et notre limite de mur ici qui sont toutes alignées pour laisser passer une grande vitre qui est la grande vitre qu'on va mettre à ce niveau là, tu vois. Et tout ça, c'est aligné propre, net, parfait. Juste pour ça. Tu vois, comme quoi je fais des trucs qui sont réfléchis. C'est pas n'importe quoi. Je ne fais pas que du pifomètre. Bon, je fais beaucoup. Mais pas là, pour le coup, ça ne l'est pas. C'est une maison réellement faite du début jusqu'à la fin. Hop. Et donc, ça nous donne une façade de maison un peu comme ça. Ok, on va faire l'arrière déjà. Alors, c'est pas encore fini tout à fait la façade, hein, mais on va déjà faire l'arrière. Et on va remettre, hop, à ce niveau-là, une vitre aussi dans le creux, ici. Tu vois, ici, comme ça. Pouf! Et ici, du coup, on va mettre un mur dans le prolongement à ce niveau-là. Ok, en laissant juste un bloc ici. Et la vitre, peut-être même, attends. On va tester avec de la vitre tout au-dessus, là, comme ça. Est-ce que ça fait bien? Ah, ça fait moderne. Ah, ça fait tellement moderne. On va faire, tu sais quoi, une petite ouverture ici. Et là, ça fait classe. Là, ça fait classe. Ok, on va mettre un mur ici quand même à ce niveau-là. On va reprendre le même mur qu'on avait fait pour le garage, sauf qu'on va le faire plus près, c'est-à-dire qu'on va juste laisser notre bloc à ce niveau-là, ok. Et on va commencer notre mur juste derrière, notre mur en bois. Hop, et on va le faire ici tout jusque-là. Ok, et on va le faire toucher jusqu'au plafond, hein. Et après on fera la porte ici, tu vois, donc... comme de l'autre côté, tout pareil. Et ici aussi, youp. La fenêtre, pareil. Ok, on commence à voir les choses ici. On commence à avancer pas mal. On va reprendre nos blocs de bois de sapin, du coup, et on va faire l'entrée et la sortie de la maison, qui vont être ici et de l'autre côté. Donc, hop, voilà, on prend le pilier qu'on avait fait tout à l'heure en plein milieu, on fait une
un mur comme ça en bloc de bois. Le problème, c'est que vous avez des demi-blocs juste au-dessus, et tu vois, donc il y a tout un demi-bloc de vide entre le mur ici et le plafond, ce qui est un peu embêtant. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, alors, on va ouvrir le mur sur les deux blocs principaux en plein milieu pour laisser passer l'entrée et la sortie de la maison. Et les blocs qui sont au-dessus des murs en bois, on va les ouvrir et on va mettre des murs en bois comme ça pour pouvoir avoir des murs complets hein, ici qui touchent bien le plafond. Le problème, c'est qu'évidemment, ça se voit par-dessus. Et donc, pour ça, là, du coup, on a les vitres qui sont pile dessus, donc c'est un peu gênant. Mais pour ça, sinon, si les vitres ne collent pas dessus, on peut avoir des tapis et les mettre par-dessus aussi. Ça permet de camoufler un petit peu. Voilà. Et évidemment, on va prendre les vitres et les mettre comme ça. Ok, la même chose de l'autre côté. Ici, on prend notre milieu de pilier et on fait un mur comme ça. Hop, tu vois. On creuse le plafond. On met de la vitre ici. Et on prend nos tapis en gris. Et on les met par-dessus les trucs qui dépassent. Ok. Une fois qu'on a ça, du coup, on va revenir prendre nos vitres classiques. Et on va venir mettre hop, des vitres ici. Tu vois, entre notre mur et notre machin. Pour pouvoir avoir un petit espace herboré. Bon, je ne connais pas le mot. Avec de l'herbe, voilà. Et privé devant la maison. Et du coup, on va rajouter tout ce qui manque à la maison, c'est-à-dire des portes. Moi, j'aime beaucoup les bois d'acajou en ce moment, les portes en bois d'acajou, je sais pas pourquoi. J'aime bien. Ok, on en met ici. Hop, ici de l'autre côté aussi. Ici. Ici. Youp. Et ici. Et là, on a notre maison qui est plutôt bien fermée. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'avais un truc à faire encore, je ne me rappelle plus. Ah oui, si, c'est ça. Ici, vous voyez, donc, on a une ouverture assez intéressante. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture de 6 blocs par 3, plutôt de 3 par 3. Et donc, du coup, ça nous laisse juste la place pour pouvoir mettre un petit arbre taillé à la main. C'est-à-dire qu'on va utiliser les barrières de bois, ainsi que les feuilles de bois. Ok, enfin les feuilles, et on va venir mettre un tronc comme ça en barrière de bois comme ça, qui va pousser du coup en dessous le toit de la maison, et on va lui rajouter quelques branches peut-être par-ci par-là par exemple, et on va lui rajouter tout plein de feuilles autour histoire de faire croire à un arbre quoi, avec des feuilles. Ouais, j'invente un concept de ouf, tu sais, l'arbre avec des feuilles. Je suis sûr que ça n'a jamais été inventé encore. Hop, il faudrait breveter ça. L'idée incroyable de l'arbre avec des feuilles. Voilà. Donc on rajoute des feuilles un peu partout, un peu n'importe comment, pas forcément de manière très, très bien ordonnée. Peut-être pouf, un truc comme ça. Tu vois ? Ça peut être sympa. Ça peut être sympa, ça fait joli, ça donne la touche de verdure entourée par la maison moderne. Et puis évidemment, bah, on peut mettre des fleurs hein, à l'intérieur de ce petit... truc. Je sais plus comment on appelle ça. Parterre de fleurs herborées. Je crois que c'est herboré le nom officiel qui fait intelligent, là, tu sais. Hop, j'arrive plus à sortir. Voilà. Et puis voilà, est-ce que j'ai fini la maison? Il me semble que oui, j'ai pas oublié grand chose. De toute façon, il n'y avait rien sur les côtés déjà de base. Ici, on a fait notre passerelle, avec les maisons et tout. Non, mais c'est sympa, en plus, ça a la structure même de la maison n'est pas symétrique, elle est bien structurée tout en étant différente de d'habitude. Donc non, c'est sympa, vous voyez, il y avait une grande salle pour l'entrée, puis après il y a un couloir qui mène
à l'arrière et au garage. Au-dessus du garage, on a réellement la pièce de vie à l'étage directement. Et qui donne du coup par passerelle au-dessus du vide, hein, du coup, à une deuxième pièce ici qui est plutôt une sorte de salon, quoi, je pense. Donc, non, c'est pas mal. Hein, la maison est structurée de manière un peu particulière. Moi, j'aime beaucoup. Et ça rend bien, ça rend vachement bien. C'est une maison qui est une reproduction d'une maison IRL. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, habituellement, je fais des trucs beaucoup plus arrondis. Mais celle-là, elle est vraiment sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Je vous laisse à plus. Je reviens dans pas longtemps, probablement, vous inquiétez pas. Bon jeu à tous, bon vent matelot et à la prochaine!